Dans un instant, nous allons retrouver notre correspondant à Rome, François Beaudonnet, pour vous parler d'une période importante pour les Italiens. C'est d'octobre à juin. Ben, c'est la période des agrumes, oranges, mandarines, plutôt dans le sud d'ailleurs, là où il y a le plus de soleil, en Sicile notamment. Qu'est-ce qu'on fait des centaines de déchets à part ça? Eh bien, vous allez voir, ils ont trouvé une bonne idée là-bas, des chercheurs. Ils recyclent ça. Sous quelle forme? Ben, ils font de l'électricité. C'est bien ça, ce qui se passe là-bas. Bonjour François, si j'ai bien compris. Bonjour William, vous savez que l'Italie est un gros producteur d'agrumes. Alors évidemment, le climat ensoleillé y est pour beaucoup. Et ces agrumes sont souvent produits dans le sud de l'Italie, là où il y a encore plus de soleil. Et c'est le cas en particulier en Sicile. Le problème, c'est que quand vous faites des citrons, des oranges ou des mandarines, eh bien vous avez la peau et la pulpe de ces fruits qu'il faut ensuite recycler, en particulier lorsque vous faites des jus. Ça fait des tonnes, même des milliers de tonnes à recycler. Jusqu'à présent, ça coûtait beaucoup d'argent. C'était assez mauvais pour l'environnement. Eh bien là, des chercheurs de l'université de Catane ont peut-être trouvé la solution. Ils vont faire de ces déchets de l'électricité. Regardez le reportage réalisé en Sicile avec Gianclaudio Calderara et Renaud Bernard. La Sicile, le pays des agrumes. C'est ici qu'on produit la plupart des mandarines, des oranges ou des citrons d'Italie. Ici aussi qu'ils sont transformés en jus de fruits dans cette immense usine, l'une des plus grandes de la péninsule. Le problème, c'est le résidu des agrumes. Cela représente 60% de la matière première transformée. Sur 100 000 tonnes de matière première, cela fait 60 000 tonnes de déchets. Jusqu'à présent, ces déchets étaient simplement éliminés. Mais cela pourrait changer grâce à ces ingénieurs de l'université de Catane. Ils utilisent les résidus d'agrumes pour produire de l'électricité. Les agrumes, comme toute substance végétale, finissent par fermenter et produire du gaz. Ces résidus d'agrumes, mélangés à d'autres déchets, pourraient permettre de produire jusqu'à 1 MW, c'est-à-dire l'alimentation en électricité de 300 familles. Transformer un déchet en ressources. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une expérimentation. Mais si elle est concluante, la Sicile pourrait l'étendre et tirer une partie de son électricité de ces champs d'agrumes. Merci François, et tout ça avec des zestes.